3, 2, 1. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Dark Evan et bienvenue sur un deuxième épisode de Terraformers en compagnie de Frigiel. Ouh, je suis toujours là, c'est cool. C'est cool, c'est génial, c'est absolument formidable. On retourne chercher nos vaches objectifs, les Allez, vaches. C'est parti, les vaches, on les avait laissées toutes seules. Oh, il y a un cheval maintenant. Génial, le cheval. Attends, mais il sort d'où? Bah, il était là. Il était là, ah bon, je l'avais entreaperçu. Oui, ah, oui, bah, je l'avais jamais vu de tout l'épisode d'avant. Donc regarde, on a une petite vachounette ici. Ok, c'est triste. Tu veux faire l'enclos en bas alors du coup? Bah, ça va être dur de remonter la vache. Ouais, c'est sûr que c'est plus simple de la faire descendre que de la cheval, faire quoi. Remonter. Et là, on en a que deux, hein, on est d'accord là-dessus. Donc... Ok. Bon, alors du coup, je récupère tes barrières, je vais farmer les barrières. Je crois qu'il y a une pioche que tu m'as donnée que tu n'as plus. Si, j'en ai peut-être deux alors. Que je sais pas, j'ai une pioche neuve là. Bon, avec alors moi. Comment faire descendre la vache? Est-ce que le blé a poussé? Oh, non, pas encore. Écoute-moi, tu sais ce que je vais faire? Je vais continuer le pont en attendant. Ok, on fait le pont pour aller chercher un peu de fer, parce que c'est pareil, c'est le deuxième objectif. Moi j'ai commencé à essayer de faire du moi, de je sais pas s'il y a du fer là-bas, mais... Bah il y a du fer, regarde, tu redescends un peu là, t'as du fer. Du ouais, coup, t'as ce raison, sera plutôt pratique. Je vais aller descendre ici. T'as fait des dalles. Ouais, c'est bien. Plouf, je finirai le pont quand j'aurai pris le fer. Alors, moi du coup, je refais une table de craft ici, parce que celle en hauteur, elle m'arrange pas oh, les masses. Génial. J'ai mangé de la rotaine et j'ai pas eu le poison. Ouais, ça c'est quand t'es heureux quand ah, ça arrive. C'était, hein. Ah là, c'était le plus et beau bon, jour de ma vie. Dommage, ça arrive pas très souvent. Non, dommage. Voilà, alors ensuite, donc, oui, effectivement, les barrières ça a changé. La vie n'est plus la même. Ils ont dû se moquer de nous dans l'épisode 1. On n'a pas encore lu vos retours, vu qu'on entend deux à chaque fois d'affilée. Hop là. Voilà. Là j'ai des barrières, c'est bon, je vais faire une fence gate en même temps. Hein. Vas-y, fais une petite porte. Porte, voilà. Le fence gate. Voilà, superbe. Bon, côté fer, en fait, il y en a beaucoup ici. Et puis, il y avait ouais. le petit coffre qu'on a laissé devant le donjon. C'est vrai qu'on a notre coffre. À l'épisode 1, le coffre avec le des coffre, tonnes et des ouais. tonnes de ressources. Mais alors, le fameux. Ah, c'est la fête si on le récupère. Alors, on a une... Mais tu sais que là... Ouais, on a une vache qui est juste à côté. Mais je vais... Ah, tu lui fous... Non un... J'ai pas pris la bonne. Attends. Tu lui fous un petit coup de tatane, là. Tu ouais, as ouais, fait parce tomber. Que là, c'est bon, elle est bien, là. Ah ouais, elle est bien. Elle est bien. Tu l'attendris au passage, tu vois. Un petit coup dans la figure. Non, mais tu vas pas... Non putain, Fais-toi respecter, Dark, fais-toi respecter. Non, mais je veux pas la taper, parce que je veux pas qu'elle ah. perde de points. Ah ouais. Hop, voilà, on sait jamais. Tu respectes mon autorité, merci, voilà, c'est bon. Alors, ensuite, deuxième chose. Alors, mais je te jure, hein, au corps à corps, la saloperie. Hop, voilà, maintenant j'ai une porte, elle est fonctionnelle, très bien. Là, je prie... Ah bah, t'étais là, la vache, pourquoi t'es plus là? Oh non, mais tu te fous de... Allez, mais c'est tu enfui. Te fous de moi. Ah non, mais attends, elle est dans une zone dangereuse là. Si elle touche l'eau. Non, tu peux pas faire ça! Oh putain, elle m'a fait peur! Écoute, moi ça se passe bien la récolte de elle fer, est passée hein. sur l'eau, elle a failli partir dans la falaise! Ah non, failli... ah non. J'ai failli de jamais. Mais attends, j'avais fait exprès de couper l'eau pourtant. Bah elle est pas coupée là. Le cochon! Ah! Ah! Bah, attends, je. Ah! Ah! C'est bon, je l'ai eu! Tu veux remonter ou pas? C'est grave si je l'ai tué? Bah tant pis. Bon, non, moins... on n'aura pas de carottes. J'ai récupéré la nourriture. Ah bah du coup je coupe pas l'eau, ouais. Non, bon, pas l'eau. Cette vache. Et le cochon, il s'est pris pour Spider Cochon là. J'en ai enfermé une et elle faudra... Bon, on va la tirer tranquille dans les lois de la passivité du truc. Hein. Parce que tu vois, elle est là et... Bon, oh mais c'est ouais. bon, ouais, coupe l'eau. Non, parce qu'elle est passée tout à l'heure en mode OZF, mais j'ai flippé, moi j'ai non, dit non. Ouais, c'est bon, ça ira. You can't do that. Alors, on va faire des fours, c'est parti. Ouais. Je crois que t'en avais fait déjà, mais ils sont dans le moulin, donc bon. Ouais, non, j'en ai pas fait, je crois que j'en ai plus. Ouais, et j'ai 30 fer quand même, là. Nice. Ouais, comme ça, on pourra... Allez, un dernier fois. Bah, très bien. Quoique, faudrait de la poudre. Il faudrait plus de charbon, déjà. Ouais, bah, on en a pas, hein. Tu sais quoi? Je vais faire un lit ici, maintenant. Je suis chier à la base d'abord. Eh bah, écoute, j'ai fait exprès de prendre les ressources pour... T'as du bois? Eh bah, ouais. Ah, c'est beau. Tu veux que je fasse deux lits? Ou on les ramène? Sinon, on les ramène. Non, c'est bon, laissez-les là-bas. On fait un lit pour l'instant, on dormira bon, dedans. Non, non, parce que... Non, mais j'ai un lit, moi, c'est bon. Ah bah, il y en a deux, alors. Comme ça, s'il y a besoin, tu vois, on peut se refaire un checkpoint. Mm-hmm. Bah, tout à fait. Donc, voilà, ça peut toujours tout être Tout à utile. Fait, Thierry. Hop. Les crops. Ah, et hop. J'ai retiré le pack de texture buggé. Je suis sûr que vous avez tous râlé, donc je vous ai entendu râler à l'avance et je l'ai retiré. Ah, j'ai anticipé. Voilà, j'ai anticipé la râle. Je vais mettre du bois ici. La râle. Poser des arbres. Bon. Partout. Ah oui, bah oui, j'avais commencé un pont. Le pont.
Le pont d'Avignon. Il est temps de le finir. Hop. Toujours finir ce que l'on commence. Ouais, ça c'est bon. Ouais, ça non, ça sera des plaques de crise pression. On se fait un saut ou pas alors? Bah, ça me paraît plutôt une bonne idée. Ouais, bon, dans un environnement aussi abrupt. Comme ça, je vais chercher. Mais je vais me faire une épée, moi, en premier. T'as pas. Ah oui. Moi, j'ai fait un saut. Vu qu'on a 1.9, on est à... je trouve qu'on est plus faible en 1.9. Donc, bah ouais, pour le PVE, tu peux plus spam. Donc, ouais. Forcément. Pas très très rentable. Après, on est censé avoir une grosse régène et tout, mais vu qu'on a pas de bouffe, bon, la grosse régène, voilà quoi. Grosse ressource du réservoir d'eau. Bon, voilà. Parce que comme ça, si on veut se faire des sources infinies et autres, bah, il faudrait un deuxième saut, idéalement. Mais bon. Alors, pioche, je vais peut-être me faire une pioche en fer, moi. Vas-y, 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 on sait jamais, ça peut servir. Surtout qu'en bas, j'avais vu de, ouais, bah, de l'or, ce genre de tout, ressources. Ouais. Alors, un poulet voilà. Aussi, un mouton. Mais y'a jamais ce qu'il faut, quoi. Bah, je veux dire, il y en a qu'un seul, ils sont jamais deux. Hop, drôle de voilà. Une épée, une pioche. Tu veux faire je te fais une pioche en fer? Ils sont jamais deux. Non, j'en ai déjà une, merci, ça ira. Ok, ok. Bah, du coup, on a du fer en plus, donc. Bah, je vais faire un coffre. Mettre là. On va stocker un peu, jamais, au besoin. Là, comme ça je mets le seau, le fer. Vas-y, 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 fais. On va plutôt prendre ce bloc là, c'est pour me servir. Moi je continue l'exploration. Tu veux pas qu'on dorme un peu là avant de partir en exploration? Ouais, allez, ça marche, j'arrive. Comme ça, c'est chiant parce que la bouffe... Allons dodoter. Tant qu'on a pas réglé ce problème de vache, on va être obligé de mourir à chaque fois en chaîne. Non, parce que regarde, je te ramène de la bouffe là. Ah. C'est ça qui est incroyable. Le mouton, il va me donner de la bouffe le mouton. C'est ça que c'est bon. Il m'a donné un petit peu de bouffe. Du coup là ça nous fait encore 16 lingots de fer dispo. Mais pour l'instant le stuff je pense on le fera après. Bah j'ai pas fait d'armure encore. Ouais, ouais. On a ouais, fait non, les outils en priorité. On fera plus tard parce que donc regarde la bouffe, on va faire chauffer ça. Et puis un poulet, et d'accord puis ça, je puis... ramène de la bouffe, un poulet. Y'a un poulet. Mais non. Sous-estime pas ce que j'ai fait. D'accord. Parce qu'on est mieux. D'accord. Tiens, regarde. Tu veux de la bouffe? Regarde-moi. Oui. Tiens. Et maintenant, il n'y a plus l'effet de recul sur les os. C'est trop triste. Il n'y a jamais eu d'effet de recul. Si, mais si, comme les boules ah de neige. Bon ah bon? Mais ils l'ont corrigé, ça. Ah ouais. Enfin, corrige. Pour moi, c'est un retrait. Ouais, tu dors ou tu dors pas, là hein? Bah, je sais pas, il s'est levé tout seul. Mais lève-toi et marche. Ça y est, ça marche. T'es somnambule, en fait. Si tu peux le dire, si c'est le cas. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Ça pousse pas, hein? Ça pousse pas! Pas vraiment. Pas vraiment du tout. Bon bah du coup il y a de la bouffe là. Côte cadeau. Mouton. Je vais chercher un peu plus de... Bah on va chercher du fer. Hein. Un peu plus de reste, c'est parti. Ouais, voilà. Tu prends en dessous ou tu prends pas en dessous? Tu prends où toi? Bah je vais essayer de voir la grotte là, mais elle a l'air un peu... Mais tu vois si on peut choper la grotte, on peut choper un squelette. Si on chope un squelette, on chope... Ah, toi tu vises loin, ouh là là. Et si on chope l'os, on va enfin pouvoir... Y en a là-dedans, dis donc. Ouais, ce que tu me dis. Mais ouais, je vais. Non, parce que moi, je me contente de prendre le fer que je vois sous mes yeux et c'est tout, quoi. Bah, je vais aller dans la grotte là, tu viens avec moi? J'ai peur. Allez, si tu veux, j'arrive. J'ai peur. Mais viens, on se fait des petites armures avant d'y aller. Non. Ah, bah pourquoi? On n'a pas encore récupéré assez de ressources. Bah, alors je vais prendre du fer, moi, comme ça, on se fait des armures. Soyons okay. Optimisés. D'accord. Très bien. Oh, je vois des zombies crever et tout par le soleil. Ouais, ouais. Je pense qu'on peut être un peu à l'abri là, je descends tranquillement, je suis petit. Bon, au moins on aura un petit passage pour y aller plus tard. Parce que moi ce que j'ai peur ouais c'est de perdre le stuff et du coup si tu vois on n'a pas la bouffe etc. Et c'est dommage, ce serait dommage de non, gâcher on ça. On va pas perdre le stuff. Non mais tu vois... C'est juste des squelettes, c'est bon on n'est pas dans le donjon encore. Ouais mais tu sais... Hop, voilà, j'ai fait un petit escalier. Petit escalier, voilà, qui descend tranquillement, je me tiens. Voilà, moi voilà. J'ai récupéré 10 doses de fer en plus. Et, voilà. Et je tombe, mais ça va. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Est-ce qu'il y a un autre truc là-bas? Ouais, d'accord. Bah, en fait, il n'y a pas de monstre. Hein. Bah, j'ai récupéré un peu de charbon, mais voilà. Écoute, quoi. Là où je me balade un peu en ce moment, pas vraiment non plus. Mais dans cette grotte là où je t'ai dit, justement, il n'y a pas. Tu peux miner aussi. Par contre, je sais pas si tu y as été, mais la toute petite grotte qui était sous le moulin où il y avait notamment des rails, ce genre de structure, il y avait 5 squelettes à l'entrée. Alors si tu veux vraiment tes squelettes, ils sont là-bas, à la limite. Ah ouais, putain, mais cette petite poudre d'os nous permettrait juste... voilà, bah, il faut retourner sous le moulin, alors, dans ce cas-là. La final et cow. Je pense qu'il y a sûrement une récompense derrière, parce que ça avait l'air d'être bien défendu comme zone. Ouais, peut-être, alors. De toute façon, il faudra noter tous les détails. Ouais, de toute façon, on fera, ouais, petit à petit, dès qu'on voit un truc un peu...
un peu différent. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh, ça fait plaisir ça. Ouh, ça fait plaisir quand on tombe sur un champ de patates. Ah, c'est un champ de patates. Ah oui, un champ de patates. Ah bah viens, on va les planter et puis voilà. Hein. Ah là, c'est fini. Ah putain, les champs de patates, mais oui, mais voilà, on va plus chercher avec la... Bon, après, c'est bien d'avoir les vaches quand même. Hein. Ouais, on sait jamais, hein. Gardons les vaches sous la main. Mais bon, les patates, c'est quand même... voilà, c'est attends, j'en ai 29, quoi. T'as la bim. Bon, je reviens du coup. Ok. On va voir comme ça, tout ça. Hop. Creusons. J'ai de quoi faire des... Oui, j'ai de quoi. Je vais aller voir dans cette grotte. Tu veux venir ou pas? Bah viens, on fait chauffer le fer. Je te dis, j'ai de quoi faire les armures. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir spécialement besoin de quelque chose là. Bah, elles sont nulles tes grottes, elles sont vides. Ah bah elles sont verticales surtout, donc c'est pas... Ah, elles sont verticales. Ouais, c'est pas très donjonneux. C'est pas donjonneux, ouais. C'est pas très donjonneux. Écoute, moi je me fais ma petite armure. Si tu veux de l'armure, tu me rejoins. Ouais, je vais te rejoindre. Si tu veux pas d'armure... Je récupère juste un peu en fait de quoi faire... Moi je peux plus rien pour toi après. Ouais, parce que en fait non, mais en fait ça descend juste au niveau en dessous en fait, c'est ouais. Juste un... On va toujours garder une patate de côté au cas où là-dedans. Ouais. Et planter les autres. Ouais, donc voilà. Bon, du coup il y a pas... C'était pas exceptionnel, on va remonter gentiment tranquillement. Patatons. Héron, petit patatons. Hop. C'est bon. Alors... C'est joli quand même, hein. J'aime bien, c'est très joli. La paysage. Non. Alors, parce que moi du coup je ramène aussi beaucoup de fer. Eh bah ouais, vas-y, c'est parfait alors. Ah ouais, bah là j'ai ramené de quoi refaire une armure. Allez, un troisième four même, pour l'occasion. Fourmi. On va mettre des patates. Parce que la fourmi, micro-ondes. Parce que fourmi. Voilà. Et oui. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Ah bah oh, oui. Hein. Qu'est-ce qu'on s'enjaille. Ça oh. C'est sûr. Alors attends, patate, oui la patate, c'est bon, le fer, oui c'est bon, ok. Allez. Parfait, bah faut attendre maintenant. Bah, attends, je vais juste me permettre de manger. Bah vas-y là, maintenant on a la patate. Nourriture, en veux-tu, en voilà. Non. Ah ouais, non mais ça c'est cool putain. Parce que là je me suis dit, si on doit tout le temps aller farmer des trucs, ça va être chiant. Genre de trucs que j'aime pas, parce que bon, vous savez, la problématique chiante de... Faire reproduire les vaches, ce truc comme ça. Ouais, j'ai dit non, c'est chiant ça. Au bout d'un moment c'est chiant, on est d'accord. Donc, bah en fait, il est là le fer. J'ai remis un peu de et charbon. Et le seau là, je vais m'en faire un moi aussi parce que c'est vas-y, vas-y, bah oui, chacun prend son seau comme ouais. Ça, on a de quoi s'en sortir pour les explorations futures. Et bah voilà, je suis full stuff. Voilà, comme ça on peut prendre un peu de patates. Tiens, je te mets le reste du fer dans le coffre là. Ouais, vas-y. Oh, je vais me faire peut-être un. Bon, pour l'instant, pas besoin. Ah, on se fait un boubou pour les squelettes, ce sera nickel. Ça coûte cher, non ? Qu'un seul de fer et. Un seul fer ? Ouais. Si tu veux, je te l'ai fait. Allez, on va faire ça. Je les craft. Alors, hop. Non, mais je sais faire, je crois qu'il faut mettre le fer au milieu, c'est ça ? Exactement. Et le bois autour. Sauf que j'ai pas de bois, donc. Tiens. Vas-y. Bois, fer. Non, fer, j'ai déjà. Bois, merci. Et le cheval, là ! Purée. Garde-le avec nous, on sait jamais. Oh, on va pas ne le tue pas, non, 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 je ne le tue pas. Tu ne sais pas quelle valeur il a. Ça a pas marché. Parce qu'il faut que t'enlèves les deux du bas. En bas à gauche, en bas à droite, faut pas que tu mettes de quelque chose. Non, ça marche pas toujours. Tu mets un au milieu, en haut, hein, pas au milieu, en haut. Milieu du haut. Ah oui, c'est très logique. Bah oui. Oui, tout à fait. Bah oui, Thierry. Et voilà. Oh, la 1.9. Ouais, voilà, mais contre les squelettes, ce que tu veux dire, oui. C'est déjà, c'est que t'es immunisé contre les squelettes. Je rigole, mais en effet, ça va. Les phases PVE, maintenant, sont beaucoup plus simples, en réalité. Bien, hein. Du coup, on va faire la grotte, ça te dit? Bah ouais, attends, j'attends juste d'avoir un full fer. J'aime bien parce que c'est l'inverse, toi, j'ai mis d'aller faire la grotte pendant 10 minutes, je dis attends. Là, 10 minutes plus tard, je dis viens, on va faire la grotte, c'est toi qui me dis attends. Mais la grotte que j'ai faite là, elle servait à rien. Non, mais on va faire celle qu'on a vue sous le moulin. Ok. Elle a l'air scénarisée et tout. Elle a l'air scénarisée. Mais non, mais tu sais, quand il y a des trucs dedans, c'est scénarisé, quoi. Ouais. J'arrive, c'est bon, je suis prêt. Attends, t'as pas un tout petit peu plus de bouffe, là? Tiens. J'ai l'impression que t'as pris... Il y en avait 9, je t'ai filé 5 patates. Tiens, j'en ai pas besoin d'autant, voilà. Ok. Allons-y. Voilà, maintenant, on peut se lâcher. Oh, c'est normal, ça? Quoi? Bah, il y en a une dedans, une dehors. Bah, parce que j'en ai emprisonné une et qu'il y en a une qui est descendue. Bon, d'accord. Et plus qu'à la ramener. Très bien. On s'en occupera plus tard. C'est oui. En détail, maintenant on a des patates. Oui, tant qu'elle reste à côté. On est les rois du monde maintenant. Tant qu'elle reste à côté l'une de l'autre. Hein. Ah non, mais non, c'est là. Je monte trop loin. C'est ici. On redescend, on remonte. Ouais, c'est on là, descend. C'est là. Faut juste casser. Casser là.
C'était là. Le bloc. La blague. Casser la blague. Ah, ça ressemble. Oh oui, d'accord. Alors attends, est-ce que j'ai de quoi faire des torches? Oui, j'ai des torches. Oh, c'est pas bête. Ouais. Je vais te laisser gérer ça parce que j'en ai pas pour l'instant. Arrivage de creeper. Hop là. Ah si, j'ai de quoi faire des torches avec ceci. Hop là. Et du coup, on peut se protéger d'explosion. Hein, ouais, ouais, ça protège un peu, ça protège. Ouais, un peu. Ça protège. Bon, je commence à torcher. C'est la base des genres de CTM. Ok, non. Protection, c'est bon. Muy bien, muy bien. Toc. Alors, et on va peut-être trouver du diamant et tout. Ça pourrait être pas mal, mais dès le début du diamant. Ouais, sait-on jamais. Ouais, quand même, hein. Au moins un. C'est profond, c'est profond. Ouais. On prend le seau d'eau pour pouvoir remonter ou on s'en fout? Ben... Moi, je mettrais bien un seau d'eau ici. Hein. J'ai l'impression que ouais, pas trop le choix. Ouais. Tiens, regarde, hop, je mets... Là. Vas-y. Attends, si tu veux, je peux faire. On fait une source infinie et on pose. Viens, ouais. Regarde, on va la faire là. Ouais. Tac, tac. Ok, d'accord, ok. Tac, okay. Tac. Vas-y, source infinie. C'est parti. La source infinie. Oui. Du coup, j'en pose là. Au pire, on pète la source infinie, on la laisse couler. Ouais. Ouais. Attends, allez. Elle est très bien, la source infinie. C'est très bien, c'est très bien. D'où tu veux lui péter la figure? Allez, c'est validé. Allez, d'accord. On va enfin pouvoir avoir notre revanche. Mais alors. Fais gaffe quand même, hein. Alors, est-ce qu'il y a des trucs ici? Allez, squelette, fais gaffe, arme ton bouclier, on nous attaque. T'entends? Oui. Ils sont là, ils sont présents. Est-ce qu'on saute au niveau du champignon qui est juste là? Ouais, on sécurise le champignon. On sécurise, on se met en dessous. Ah non, c'est peut-être dangereux. Ah ouais, sachant qu'ils sont tous en bas, on saute sur le leur saute dessus. Ouais, allez, 1, 2, 3, assassinat. Allez, c'est parti. Assassinat. Ah, un creeper. C'était pas prévu dans le plan. La passe. Un autre creeper. Ah putain non. Oh là là, mais. Mais y'a du monde ici. Waouh, c'est bon. Ah. C'est la guerre, monsieur. J'ai plus de vie. Tu l'as. N'oublie pas de contrer. Ah, il est sur moi. J'ose pas le taper pour faire ça. Y'en a un autre là-bas. Ah putain, il s'est retourné vers moi là. Tiens. Ouais, c'est bon. Fou. Sécurisé, chef. Oh, je sais pas par quel miracle je suis encore en vie, mais je suis encore en vie. Oh putain, encore des... Oh. Il en reste un. J'y vais. Garde position. Ok. Je sais pas s'il y avait des spawners ou pas. Aucune idée. J'ai l'impression que... Je sais pas, c'était violent comme s'il y en avait. Mais... Ça donnait cette impression. Mais il y en avait pas. C'est naturellement bien fait pour les faire spawner. Ouais, quoi. J'ai l'impression. Naturellement vrai. Ou alors c'est une espèce de piège qui s'est déclenché quand on est quand non, est non, mais c'est juste qu'on les a tous centrés, quoi. Ah, oh, c'était violent. Et c'était vraiment violent. Hein. On est vraiment tombé au milieu. J'étais un demi-cœur pendant le combat, quoi. Ah oui, d'accord. Hey, ils t'ont vachement focus. Ah bah, en fait, moi, je me prenais les creepers, moi. Je sais pas si t'as entendu, mais ça a explosé 3 ou 4 fois dans le combat. Ouais. Ah non, il y en a encore un, là. Le problème en plus, c'est que là en fait on a une farm de hauteur, donc forcément ils vont pop. Parce qu'en fait, même s'ils popent pas en bas, ils vont quand même popper en haut pour atterrir dans l'eau. Ouais, c'est un souci de verticalité. Et l'eau, comme qui dirait, ça porte les bateaux. Et l'eau, alors... comme qui dirait, ça veut dire bonjour. oui, aussi. Ils enchaînent trop. Ah bah j'en ai un. J'ai 2 flèches. Waouh. Alors, je suis dans les... Tu veux que je fasse un pont? J'ai un les stack profondeurs. De commun, hein, si tu veux. Ouais, mais un pont pour aller où? Bah, en face. Y'a quoi en face? Bah, une autre galerie, qui est plus haute. Ah, mais j'ai pas vu, mince. Parce que là, t'es en train de te faire cerner, là. Enfin, ouais, mais je sais pas, je vais dans les profondeurs. Ouais, mais à mon avis, y'a pas grand-chose, hein. Tu peux mettre un seau d'eau pour remonter ou pas? Ouais, bien sûr. Tiens. Allez, vas-y. Juste ici. Aïe, putain. Ouah. Je peux attaquer. J'arrive. Ouais, je vois des flèches qui tombent du ciel et tout. Oh! Viens vite. Aïe. C'est bon? Non. Pourquoi j'ai ramassé une torche là? Je sais pas. Ah, t'as pris mon seau d'eau. Oh, mais y'a de l'eau là partout. Oui, c'est vrai. C'est pas grave. Non, moi ça va. Ouais. N'importe quoi. Et. Non, j'allais dire un truc, mais... où ça, alors? J'ai compris, en fait, ce que t'allais dire. Non.
Oh putain. C'était oh, même putain, pas putain, ça. Sorcière, sorcière. Ouais ouais, il y a une sorcière là, j'ai je vu me ça. Je suis empoisonné, non. Ah Mec, sérieux, merde. elle t'a touché quoi. Ah bah du charbon, bah c'est ça qu'il me faut. Putain, mais 37 secondes de poison, va mourir. Mais non. C'est de l'anti-jeu ça. Oh là là. Putain, j'allais faire un pont, bah laisse tomber. Allez, en face là. Donc tu veux qu'on aille là-bas? Bah ouais. Ouais, pas trop le choix. Hein. Je sens bien qu'il va falloir aller là-bas. Voilà. Attends, j'attends de mourir là, il reste 20 secondes de poison, putain. 20 secondes encore. Mais c'est long, putain. Est-ce qu'on va réussir à... Je propose qu'on va, on va traverser de l'autre côté. Pour pas se faire attaquer par la witch. Mais bah, elle est en train de te suivre. Mais non. Mais je m'en fous, elle... Ah ouais, je m'en fous, elle est bloquée. Elle est bloquée, j'en ai rien elle à faire. Suivi, quoi. J'en ai rien à faire, elle est bloquée. Alors attends, faut que je régène moi. Je récupère ma santé. Tiens, j'ai trop aimé, genre. On va passer à côté. On va faire dispersion. Dispersion. Attends, je vais essayer de la pousser avec les seules flèches que j'ai. Ah oui. Ah oui, mais j'ai un arc moi aussi. Voilà, c'était les seules flèches que j'avais. Attends, écoute, laisse les hommes faire. Hop. 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 Et elle loot une fiole, hein, attention. Une fiole. Une fiole. Une fiotte. Alors attends, je vais récupérer charbon. Ça fait toujours une pile. Une fiole. Oh mais j'ai les os qu'il nous faut. Bah oui, on en a plein. Alors moi ça fait depuis un petit moment maintenant qu'on en a. Je tilte que maintenant. Laisse-moi le temps d'apprécier un peu le paysage. Laisse-moi savourer un peu. Voilà. Ah oui, c'est bon ça, c'est bon, j'ai des os. On a des os. Bon, on fait un escalier comme ça, hein. Bah, regarde, ouais, hop, allez. Hop, regarde, regarde, Fritz. Hop. Tu passes par là. Allez, tu passes par là. Je te l'ai fait comme ça, c'est cadeau, allez. T'es où toi? Bah, je suis derrière. Genre, en fait, j'étais en bas, je te l'ai fait comme ça. Tu vois. Ah, 64. Ah, ah. C'est quoi ce cri? Que se passe-t-il? Ah putain, qu'est-ce qu'on fait là? Ok, je suis tombé. Hein. Mais elle est où mon épée? Non. Mon épée. Ah. Putain, saloperie de squelette. Encore un creeper. Ah, je me fais attaquer aussi là. Et pourquoi des fois ils attaquent plus vite que d'habitude les squelettes? Normalement il y a un laps. L'IA a changé. Hein, il y a un laps de temps, il me semblait qu'il y avait un laps de temps précis entre chaque attaque. Il n'y a plus maintenant. C'est plus. Enfin, si, il y a un laps de temps, mais ils sont plus malins. Ouais, ils sont l'IA, plus malins. L'IA a beaucoup changé depuis. Ouais. Ouh, mais c'est qu'on a trouvé un truc là. Attends, j'arrive. En face de j'essaie, nous. J'essaie de torcher. Ah oui, vas-y. Je vais un peu oublier ce détail. Attends, parce que je me débarrasse de ces saloperies. Je torche. Et t'as vu, il y a de quoi faire des lits partout. Alors ça, je trouve que c'est une bonne initiative de la part du mappeur. Ah, il a compris qu'on aimait bien dormir. Hop. Ouais, mais du coup, on pourrait même dormir ici pour éviter la nuit et continuer de se faire attaquer hein, sans cesse. Hein. Bah non, parce qu'on est sous terre, là. Bon, oui, mais c'est pas grave, on peut remonter maintenant, on a les chemins. Ouais, mais regarde en face de nous, là, je suis en train bon, attends, de faire un chemin. Attends, je récupère de l'or. Ça peut servir. Il y a un truc incroyable en face de nous. Qu'est-ce qu'on a en face de nous? Bah justement, je sais pas trop, mais ça a l'air incroyable. Oh, il y a un Enderman en face de nous. Non, mais il y a une espèce de chariot lumineux. Ah, pas vu encore. Alors attends-moi un peu. J'y suis pas encore, mais je fais le pont, là. Ok, bah j'ai de quoi aligner le pont encore, si t'as besoin. Hop. Tu me diras, je récupère un peu de stone. C'est vachement joli, ouais, j'aime bien le niveau, le concept, le truc et tout. Ouais. Alors le premier donjon à faire, ce serait le clean feu. Bah alors, c'était écrit dans le chat, dans l'épisode 1, je crois que oui. Hein. Bah attends, on peut remonter, hein. Ah c'est clean feu, ouais, c'est le premier. Toc. On va commencer par le niveau de difficulté premier, hein. Parce que alors, que... j'y suis là, tu m'as suivi ou pas? Non, pas du tout, pas encore. Ah, je t'attends alors. Vois où t'es, attends, j'arrive, bouge pas. T'es passé tu par vois, je suis passé par le pont parce que je me suis dit, bon, on sera protégé des flèches, ce genre de choses. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, non, bah tant qu'à faire, autant prendre un truc qui fonctionne direct. Par contre, est-ce qu'il te reste un peu de vie ou pas, toi? Non, il me reste un gigot. Attention, squelette, tu te fais attaquer. J'éclaire. Ok. T'es où? Ouais. Ah. Oh, des zombies qui t'attaquent. C'est éclairé. T'as plein de trucs partout, là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là, c'est dangereux. Et je te dis, j'ai pas de bouffe, va falloir vraiment qu'on fasse gaffe. Hop. J'avoue qu'on va plus beaucoup régénérer du coup. Je vais t'en donner une parce que moi je suis full life si tu veux. T'es full life ou pas? Pourquoi cet Enderman court partout? Il me perturbe. Ouais, ça fait peur. T'as besoin de bouffe du coup? Ouais. Parce qu'il me reste que ça, mais tiens. Moi je suis full life donc c'est bon. Bon, ça je suis pas. Voilà, mais c'est que ma bouffe là, ma barre de bouffe est quand même assez. Il va falloir que je rentre. Moi il manque de quoi éclairer par contre. Alors j'ai de quoi éclairer. Attends, il y a une witch à gauche, fais gaffe. Ouais, avec squelette et tout. Ok, super. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais la chercher! Il est fou.
Attention au squelette. Non mais elle a réussi à me tirer sa potion de là-bas. Ok. J'ai poison pas... pendant bon, 36 secondes ça. Ouais bah on va peut-être se casser alors parce que tu vas prendre cher. Mais non, mais non, et ça c'est quoi? Ça a l'air vachement bien ça. Mais c'est juste un stop et un aller-retour, c'est tout. Je pensais qu'il y avait un coffre moi ici. Truc wagon de la mine. Non bah non, non, je pense qu'il va falloir se faire des donjons. Hein. Je pense que là il est temps de rentrer à la maison. D'ailleurs on va terminer cet épisode et je pense qu'au prochain on va se retrouver au donjon. Aïe. Viens, 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 on se casse. La déception, c'est dangereux pour toi. La déception est présente. Une flèche perdue, là t'es Une flèche perdue, je suis mort. Une flèche perdue, un free. Ah mais regarde. Quoi? Les rails, elles vont à un endroit là-haut. Ouais, un peu montagne russe, c'est le truc genre t'as le looping. Mais là, je te dis, tu peux pas y aller, tu peux pas, c'est pas possible. Faut que tu restes au sol. Nous, on rentre maison là. Oui, oui, on rentre maison. On rentre maison. Mais ouais, mais y a un creeper là, y a un zombie aussi. Ouais, je vais peut-être les aggro avant. Vas-y, on passe, je pense. Les aggro. Et là il me tombe dessus, il explose. T'étais passé par où? Ah non mais non, pas du tout. J'étais passé par là. C'était par la droite, par la gauche. Oh, j'entends un squelette. Ah ouais, ils sont partout. Hop, bon par là c'est bien. Heureusement qu'on avait torché. Non ça va, on a torché, y'a rien. De mon côté non, y'a rien. Non, franchement on a bien sécurisé. C'était bien sécure. Hop, voilà. Ce sera parfait. Puis c'est pas la fin du monde, il me reste voilà, deux comme ça, demi. Prochain donjon. Prochaine étape, donjon. Voilà. Tac. Et là ouais. On est bien, on a ce qu'il faut je pense pour bien arpenter le truc. Je suis un peu déçu mais je m'attendais vraiment à ce qu'on trouve un petit coffre. Hein. Non parce que ça, je pense qu'il a centré juste, voilà, t'as des trucs. Ah non c'était trucs. Par là, c'est vrai. Après, le plus gros sera... C'est là? Ah oui c'est de là qu'on venait, oui exactement. Putain il y a... Parce oui, qu'après on peut, là tu vois tout le trajet qu'on se tape pour remonter. On n'aura pas besoin de le faire parce qu'on pourra mettre un raccourci. Mais il fallait qu'on sécurise, il fallait qu'on explore un peu tout ça quand même. Oui, mais, oui. En fait on peut sauter directement en bas je pense. Maintenant ouais. Qu'on a le stuff et tout ça. Sauf qu'on aurait tellement galéré pour remonter, mais là on a créé le chemin, donc c'est bon. Bon, j'arrive à aller plus vite que toi, t'as vu? Ouais, c'est pas très juste ça. Pas très Charlie ça. Je pense que tu es plus... tu as un corps qui est optimisé pour nager. Sûrement mon armure ça. Tu es filiforme. Bon, je suis pas sûr du terme, mais... Je suis un amphibien, c'est mieux fait. Alors bon, je vais sculpter l'escalier, comme ça c'est fait. Sculpte. Je le sculpte. De tes mains d'expert. Ouais, c'est un bien grand mot ça. Voilà. Je me rappelle plus par où on était passé après, mais. Why not? Hop, hop, et bah là on est en haut là. Ouais. Au-dessus de nous il y a le moulin. Ouais. La nourriture, la salvation. Ouais. Les patates. Les patates. Aïe, je suis tombé. Aïe, ça y est, je peux plus courir. Hop. C'est bon. Ah bah. La oui! Sortie. Je suis en vie. Tu vois, genre là, on saute là. Ouais, bah oui, bien sûr. Et je pense qu'on arrive. Bah, c'est ce qu'on avait fait les premières fois. Avait fait la première fois. Comme ça, on pourra faire le donjon directement par ici. C'est bizarre, ça ressemble pas à ce qu'on vient d'explorer pourtant. Il faisait pas jour là où on était. Non, mais parce que nous, on était au deuxième niveau. Oui. Est-ce qu'on scelle ça par rentrer une deuxième vache dans l'enclos avec du blé? Écoute, histoire de dire qu'on s'est pas fait chier pour rien. Les patates, ça me va. Bon, elles ont pas poussé encore, mais. Mais on va les faire pousser. Ça me va. Tac, mais oui, on va scier la vache dans son. Regarde, hop, des patates. Ah, bah oui. Oui, bah oui. Allez. Hello. Patate. Voilà, on va en faire. Hop. Ça serait bien. Ah. Et je suis vraiment rouillé, hein. Pour arriver à lancer des patates parce que j'arrive pas à cliquer dessus. Il y a un moment où, ouais, c'est pas normal tout ça. Toc. Y'a à vous dire, monsieur, que c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Toc. Eh la vache, quand tu te fous de ma gueule. Elle s'en va. Reviens. Voilà, c'est. Elle te suit là, elle te suit. T'as faim. Ouais, wesh, t'as faim. Non, qu'est-ce que tu fais? Non. Pas l'eau. Surtout pas l'eau. T'y arrives ou t'y arrives pas là? Non, mais t'as balancé de l'eau dedans. C'est bon, elles sont enfermées. Ah, quand même. Voilà, mais t'as tu m'as fait flipper là. Voilà, et c'est ainsi que on peut sceller le mariage. T'as du blé ou pas pour les faire copuler? Ah non, pas encore. J'ai pris que des patates. Donne-moi du blé. Donne-moi du blé. Donne-moi du blé. Oui. Bon, on s'arrête ici du coup. Ok, on reste là. Allez. Et eh ben écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve bientôt pour continuer à tout ça. Voilà. Pouce bleu, commentaire, comme d'habitude. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder les chaînes, les points de vue respectifs, etc.
Hein, tout est dans la description. On vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.